les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera un tuto make-up. Donc comme vous avez pu le voir dans ma vidéo revue de box, en fait j'ai tout simplement décidé de tester les produits que je venais de recevoir, donc le blush Bella Pierre et le fard à paupières. Donc voilà, j'ai utilisé les deux produits que j'avais. Donc c'est un tuto, on va dire, je vais pas dire à la one again. Mais vu que je ne savais pas encore ce que j'allais faire, il y a des petites choses que je prends, que je reprends, j'estompe, j'essaie d'enlever, enfin bon. Voilà. Puisque je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire de particulier. Donc ben voilà, j'espère que le tuto vous plaira et il suit. Les félins m'a dit moula bondillé. Jesus Christ, we are praying, Le félin m'a dit ça pareil, Nous n'a dit de l'éthiction et puis mollo. We don't pray, we don't try. J'ai fini tout le make-up, donc après avoir terminé pour mes yeux, j'ai nettoyé un peu le dessous pour les chutes, puisque j'ai travaillé avec le pigment, donc le Wild Lilac. J'ai fait ma routine teint normale, donc en utilisant mon prolongueur de chez MAC en NC45 sur mes tâches, le Mineralize Concealer de chez MAC également NC45 pour mes cernes. Voilà, j'ai poudré avec ma poudre MAC en medium deep. J'ai fait mes contours avec le contour kit de chez Slick en teinte medium. J'ai utilisé donc le blush suède, le blush minéral de Bella Pierre. Donc, je trouve qu'il a un rendu vraiment très naturel, j'aime énormément. Et pour les lèvres, j'ai utilisé le pigment Wild Lilac qui est sur les yeux. Donc vraiment, je suis super satisfaite parce que je ne m'attendais pas à avoir cette couleur-là. Et au final, ben, j'ai juste mélangé le pigment avec un gloss transparent. C'est ce gloss-là de chez ELF. Voilà. Et j'aime énormément le résultat. Donc voilà, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye! And we
but I'm still leaning when I